fait comment pour entrer dans ce temple du slime? Par la fenêtre grande ouverte au dernier étage. Non, pas ça! Ah! Oh, les filles, vous avez vu ça? Nantax sort les premiers maillots de bain à épaulettes. Waouh! C'est peut-être son défilé qu'on va voir ce soir. Comme je dis toujours, en cas de doute, le slime t'indique la route. Trop forte! Même tes doigts sont intelligents! Wow! On est où, là? Du slime numérique plus plein de grosses bestioles gluantes égale... Oh! Mais c'est ici que le jeu a été créé! On dirait que quelqu'un a écrit un code pour que les créatures apparaissent dans le monde réel. Je pourrais comprendre si c'était des bestioles mignonnes et gentilles, mais là, c'est n'importe quoi. Ouais, vraiment n'importe quoi. Donc la question, c'est pourquoi faire ça? Pourquoi? Parce que c'est moi qui décide. Tu es qui, toi? Tu es quoi, surtout? Cyber Jack, un véritable génie. Parce qu'il faut un talent incroyable pour concevoir un jeu aussi brillant. Incroyable? Plutôt abominable, ce jeu n'est pas du tout dans les règles. Ça, c'est pas gentil. Moi, j'aime pas les règles. Eh ben, tu sais quoi? Moi, c'est toi que j'aime pas, Cybertruck. Cyberchat, pas truc. Ouais, ben, notre truc à nous, c'est la justice. Cyberchat est fait de pixels numériques, comme les créatures. Mais si on jouait à chat? Mais d'abord, vous devez trouver où je suis vraiment. Et vous trouverez jamais. T'aurais pas pu inventer un jeu qui plaise à tout le monde? Mais tout le monde l'adore, ce jeu. Et ils le téléchargent tous depuis ce matin. N'est-ce pas, Sam? Oh non! Ça veut dire qu'on va devoir affronter plein d'autres bestioles gluantes? Je vous laisse le découvrir par vous-même. Profitez bien de ma dernière création. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un mauvais pressentiment. Et moi, je sais pas pourquoi, mais je crois que t'as raison, Alex. Bon, c'est vrai, je voulais me battre contre une mythe géante, mais pas en vrai.